Ils auraient dû prendre l'avion d'Air Algérie, mais un problème à l'embarquement leur a sauvé la vie. Les trois miraculés de la catastrophe aérienne sont arrivés aujourd'hui à Lyon, entourés de leurs proches. Journée internationale des femmes ce 8 mars avec la marche des filles de banlieue. Leur combat a touché l'opinion publique. Point d'orgue de cette journée, défilé parisien, 10 000 à 30 000 manifestants. Dans la crise irakienne, le compte à rebours de la dernière chance avec un bras de fer diplomatique après la décision de faire voter un ultimatum au 17 mars par le Conseil de sécurité. Rugby, sale temps pour les tricolores. L'Irlande a battu la France 15 à 12 et s'envole les espoirs de remporter le tournoi des 6 nations. Le 15 de France s'est incliné à Dublin. Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons ce journal par le retour en France des trois miraculés de la catastrophe du Boeing d'Air Algérie qui s'est écrasé au décollage. Une erreur de numérotation à l'embarquement a empêché les trois passagers de monter dans l'appareil et leur a sauvé la vie. Ce signe du destin les marque à jamais et c'est avec beaucoup d'émotion qu'ils ont retrouvé les leurs. Yvan Martinet, Didier Guyon. Pendant 24 heures, cet homme a été déclaré mort. Avec ses deux amis à Taman Rasset, ils auraient dû embarquer à bord du Boeing 737 qui s'est écrasé. Ce qui leur a sauvé la vie, une erreur de numérotation sur leur carte d'embarquement. Ah, sans ça, on ne peut pas embarquer. Et on avait le numéro 93 et ça correspondait à Gardaïa et on nous a dit non, de ne pas embarquer. Une inversion de numéro, on devait partir, on nous a dit non, vous ne partez pas et l'avion qui s'envole et on devait être dedans. Quoi. Il leur a fallu du temps pour réaliser qu'ils étaient des miraculés. Hier, en Algérie, les trois hommes en prenaient peu à peu conscience. Étant donné que j'ai été déclaré décédé, j'ai l'impression que hier, c'était le jour de ma mort, quoi, je dirais. Donc, je pense que ça sera l'anniversaire chaque année. Et c'est un peu une renaissance aussi. Fin... C'est vrai qu'on est heureux parce qu'on est là, nos familles sont heureuses, mais en même temps, nous sommes très très attristés par ce qui est arrivé, surtout qu'on a, on a rencontré des gens, on les a croisés. On a même pris le petit déjeuner à une table à côté avec certains qui ont disparu. Et... Certaines des 102 victimes du drame étaient françaises ou habitaient en France. Ce matin, 4 corps ont été rapatriés à Roissy et rendus à leur famille. D'autres dépouilles vont être acheminées jusqu'à Marseille. Cette journée du 8 mars est consacrée aux femmes dans le monde entier. En France, ce samedi était particulièrement marqué par la marche du collectif des filles de banlieue. Après une sensibilisation de plusieurs semaines et un écho très favorable dans l'opinion publique, elles ont été reçues ce matin à Matignon, mais c'est sur le pavé qu'elles ont remporté l'adhésion de tous lors du défilé parisien. Fanny Auvergne, Grégoire Ozina et Mathieu Birène. La dernière étape de la marche des femmes de banlieue est un succès. Plus de 20 000 personnes dans les rues à Paris cet après-midi. Tout le cortège avait adopté le slogan des femmes de cité, ni pute, ni soumise. C'est incroyable pour nous. En partant, on partait à la peur au ventre et aujourd'hui, il y a énormément de personnes derrière nous, c'est formidable. Les marcheuses des banlieues ont traversé 25 villes en France le mois dernier avec un seul message, non à la violence contre les femmes. Un slogan repris par des femmes politiques de gauche, comme ici Arlette Laguillet, ou par des associations professionnelles de tous les milieux. On est là aujourd'hui pour dire halte donc à cette oppression, à cette violence, donc, que ce soit en France ou dans les autres pays du monde. Ce matin, les filles des quartiers sont allées à Matignon pour demander à Jean-Pierre Raffarin d'agir au plus vite contre la violence dans les cités. Devant un parterre d'invités prestigieux, Kaina, la sœur de Sohan, brûlée vive à Vitry en octobre dernier, a rappelé à ce beau monde sa terrible réalité. J'ai l'impression qu'on a deux catégories de jeunes femmes, ou de femmes, celles qui se battent pour la parité et puis celles qui se battent pour survivre, celles qui habitent en cité. Je pense qu'il faut encore le répéter que quand une femme est menacée, c'est toute la société qui est menacée. Merci. Plus que des applaudissements, Kaina et les marcheuses attendent désormais des mesures concrètes, notamment en milieu scolaire, pour protéger les filles. Cette journée des femmes prenait une couleur particulière à Kaboul, en Afghanistan, où après des années d'obscurantisme, elles ont retrouvé les chemins de la dignité et de la liberté soutenues par le président Amin Karzai, qui leur a adressé un message de soutien. Diverses manifestations ailleurs, au Moyen-Orient, en Asie ou en Europe, avec une forte connotation anti-guerre à ces marches traditionnelles du 8 mars. Laurence de Gerve.
Mère ou fille, encore toute jeunette ou dans la fleur de l'âge, a chacune sa façon de célébrer cette journée de la femme. En Colombie, la danse a rythmé toute la nuit sans la présence du soi-disant sexe fort. Je me sens vraiment bien. J'espère que nous pourrons avoir une journée comme celle-ci tous les 3 mois. La Russie a plutôt placé cette journée sous le signe des cadeaux et de l'amour. Et il en faut dans un pays où 8 Russes sur 10 estiment que la place de la femme est à la maison. Je veux espérer que toutes les femmes soient aimées, heureuses, et que près d'elles, leur mari soit toujours aussi amoureux. Le meilleur pour toujours. Mais cette journée a surtout été l'occasion en Italie de dénoncer un conflit annoncé en Irak. La femme comme rempart contre la guerre, comme aux États-Unis ou encore en Turquie. Plusieurs milliers de femmes kurdes en ont profité pour réclamer plus de droits. Une journée qui sonne comme une petite victoire pour les femmes, mais qui ne doit en aucun cas acheter leur silence le reste de l'année. Parole de femme. Quel que soit le chemin parcouru, tout reste à faire ou presque. De nombreuses professions sont encore peu accessibles aux femmes et la parité est loin d'être atteinte, comme dans le domaine scientifique, où un quart des 178 000 chercheurs sont des femmes. Elles restent donc minoritaires, mais de surcroît, elles accèdent plus lentement et plus rarement à des postes de responsabilité. Portrait de cette femme d'exception, c'est une chercheuse émérite qui a été choisie par l'UNESCO comme la représentante d'un des 5 continents. C'est dire son niveau. Reportage Florence Mavic, Jean-François Meunier. Ne vous fiez pas à sa mine souriante. Pascal Cossard livre à sa manière une véritable guerre bactériologique contre un redoutable adversaire, la listeria. Le combat se déroule dans un laboratoire, à l'abri, derrière les murs de l'Institut Pasteur. Nous avons ici tous nos secrets, c'est-à-dire que vous avez toutes nos réserves de collection de souches. Ceci est extrêmement précieux pour l'historique de nos découvertes et en même temps la continuation de nos recherches. Voici à quoi ressemble l'ennemi. Le professeur Cossard est l'une des spécialistes mondiales de la listeria, responsable de graves infections alimentaires. Comprendre les mécanismes de cette bactérie, décrypter son génome, c'est le défi à relever lorsque l'on a choisi comme métier la recherche fondamentale. Il y a une satisfaction personnelle à fouiller, à essayer de comprendre. Je pense que c'est quelque part, c'est une vocation. Et chez cette chercheuse de haut vol, la révélation s'est faite par hasard au lycée, entre 2 cours de latin grec. À l'époque, je ne savais pas ce que j'allais faire comme étude. Il s'est trouvé que j'ai eu mon bouquin de chimie à la librairie, et très vraiment, c'est vraiment vrai, le soir même, je l'ai lu du début jusqu'à la fin. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Dans son laboratoire, la porte est largement ouverte aux femmes. Pourtant, dans l'inconscient collectif, femmes et sciences ne vont pas forcément de pair. À peine 25% des chercheurs sont des chercheuses. Et certaines disciplines, comme les mathématiques ou la physique, restent le domaine réservé des hommes, question de culture et d'orientation scolaire. Il faut dire et redire que les femmes ne doivent pas s'inhiber elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour les femmes, même dans les rangs les plus élevés. Il n'y a pas de raison. Et c'est peut-être ce que penserait Louis Pasteur s'il revenait à notre époque. Pascal Cossard nous emmène à l'endroit où le savant travaillait. Comme son illustre aînée, elle est devenue membre de l'Académie des sciences. Un joli pied de nez à ceux qui penseraient encore que la bosse des maths, c'est dans les gènes des garçons qu'elle est inscrite. Anime une marche silencieuse à la mémoire du jeune Mourad, 17 ans, tué dimanche dernier par un tir de gendarme. Plusieurs centaines de personnes participaient à cette marche interdite. José Bové faisait partie du cortège. Pas de débordement, le défilé s'est arrêté devant la préfecture du Gard, encadré par un important dispositif d'ordre. Le sujet fait débat et la polémique n'est peut-être pas loin. La proposition de Nicolas Sarkozy d'inscrire les empreintes digitales des touristes étrangers sur leur visa suscite diverses réactions, comme celle de la Ligue des droits de l'homme qui s'indigne. Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'une proposition qui serait inscrite dans le projet de loi sur l'entrée et le séjour des étrangers en France. Explication Karine Gauthier et Guillaume Michel. Ce samedi après-midi, Nicolas Sarkozy communique sur la sécurité et l'accueil des passagers dans les aéroports. Nous voici à Roissy-Charles de Gaulle, la première frontière de France. 130 000 passagers y transitent chaque jour. Au contrôle des passeports, le ministre de l'Intérieur passe sans encombre. Pour certains étrangers souhaitant venir en France, la démarche est nettement plus fastidieuse. Le visa à obtenir tout d'abord, et puis cette nouvelle mesure préconisée par Nicolas Sarkozy, inscrire les empreintes digitales sur chaque visa touristique délivré.
Les Italiens viennent de le faire, les Allemands travaillent sur la même procédure. La totalité des démocraties dans le monde se dote de cette procédure. En quoi, voulez-vous me dire, en quoi est-il contraire aux droits de l'homme de demander à quelqu'un qui veut rentrer sur notre territoire de donner son empreinte digitale ? Réponse des associations concernées, c'est une énième procédure policière, inutile et vexatoire. Ce qui me gêne le plus dans cette mesure, c'est à la fois le mépris affiché à l'égard des pays qui seraient l'objet de ces dispositions, et puis ce qui me gêne aussi fondamentalement, c'est ce qu'elle signifie intellectuellement et politiquement, c'est-à-dire une Europe et une France repliées sur elles-mêmes, se protégeant d'une invasion de barbares. Ce sera pourtant bien la mesure phare d'un prochain texte de loi contre l'immigration illégale. Principaux pays visés, ceux du Maghreb et de l'ancien bloc de l'Est. Vous avez sans doute en mémoire l'affaire des disparus de Lyon, avec en prison à Auxerre Émile Louis en attente de son procès. Sa propre fille, qui l'avait dénoncée, a décidé de témoigner et s'exprime pour la première fois. Fanny Auverny l'a interviewé. Émile Louis. En décembre 2000, il avoue les meurtres de 7 jeunes filles de la DAS avant de se rétracter. Émile Louis, un nom aussi célèbre que les fouilles macabres qui se succédèrent dans Lyon, deux corps retrouvés. Comment supporter d'être la fille d'Émile Louis ? Marilyn est non seulement l'aînée de la famille, mais c'est aussi une de ses victimes. Il l'a violée et torturée pendant 20 ans. Nous avons été, d'après les sources familiales, officiellement deux à être agressés. Mais je pense qu'il n'y a pas que les humiliations sexuelles, il y a aussi les humiliations quotidiennes, verbales et autres qui ont marqué notre enfance. Dans votre livre, vous parlez de plusieurs personnes agressées ou tuées par votre père. Vous pensez qu'il y en a eu combien, à votre avis ? Malheureusement, si on se livre à un calcul, je crois qu'on en arrive à plusieurs dizaines. Enfant, Marilyn surprend son père dans un bois, en train de poignarder une femme. Terrorisée, elle ne dit rien pendant 30 ans. Porter plainte lorsqu'on est tout seul, c'est pas évident. Et lorsqu'on a dans sa famille des gens qui feront tout pour que ça ne se sache pas, de toute façon, parce que je pense que tout le monde était au courant, mais que personne n'a voulu dire. C'est un personnage manipulateur, un personnage menteur, mais il sait très bien tourner la situation à son avantage. Je suis même persuadée qu'actuellement, il trompe encore ses avocats. J'ai peur qu'il sorte et qu'il soit de nouveau en contact avec des personnes faibles, fragiles ou des enfants. Parce que je crois que tant que ce personnage sera valide, malheureusement, certaines personnes n'échapperont pas à son jeu. Émile Louis est aujourd'hui en prison. Son procès ne devrait pas avoir lieu avant 2004. La crise irakienne domine bien évidemment l'essentiel de l'actualité. La semaine qui s'annonce sera celle de la dernière chance pour Bagdad, avec l'ultimatum au 17 mars proposé par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Espagne, qui sera soumis au vote du Conseil. 10 jours donc de tractations intensives, une véritable guerre diplomatique avec le bras de fer annoncé entre la France et les États-Unis. Hervé Guéquière. Deux hommes, deux pays. Et derrière les sourires, une lutte d'influence entre États-Unis et France, entre Powell et de Villepin. Une deuxième résolution se profile en début de semaine prochaine. Désormais, les intentions de Washington sont claires, la guerre paraît inéluctable. Nous croyons que la résolution que nous proposons et qui doit être décidée par ce Conseil est appropriée. Nous appellerons ce Conseil à voter cette résolution très rapidement. Monsieur le secrétaire général, aussitôt, Paris, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, réplique. Messieurs les ambassadeurs, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, je le redis, la France ne laissera pas passer une résolution qui autoriserait le recours automatique à la force. Paris et Washington cherchent donc maintenant des alliés au sein du Conseil de sécurité, avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Espagne et la Bulgarie. Avec la France, la Russie, la Chine, l'Allemagne et la Syrie. Pour convaincre les 6 pays indécis, commence donc l'opération séduction. D'abord l'Afrique.
Au Cameroun, la France a de l'avance sur les États-Unis grâce à des liens historiques et économiques forts. En Angola, riche en pétrole, les États-Unis ont un avantage et négocient de juteux contrats. En Guinée, Paris et Washington sont au coude à coude. Sur le continent latino-américain, avantage aux États-Unis. Au Mexique, Washington promet un traité sur l'immigration. Au Chili, la Maison-Blanche parle commerce et libre-échange. Enfin, en Asie, le Pakistan est écartelé entre le soutien américain face à l'Inde et la pression des islamistes. Demain, Dominique de Villepin part en tournée en Afrique. Les Américains seront également à pied d'œuvre sur le terrain. Et chacun aura en ligne de mire la date ultimatum du 17 mars et la guerre qui pourrait suivre. À Bagdad, les autorités ont procédé à la destruction de 6 nouveaux missiles, mais ce programme était prévu et n'est donc pas une réponse directe à l'ultimatum posé par la Maison-Blanche. L'Irak, qui demande aujourd'hui la levée de l'embargo, considérant que le rapport des chefs des inspecteurs de l'ONU leur est favorable, prouvant que le pays ne possède pas d'armes de destruction massive. Saddam Hussein, qui réunissait ce matin son gouvernement alors que la population, tant bien que mal, se prépare à la guerre. Reportage de nos envoyés spéciaux, Maryse Burgot, Jean-François Renaud. Les embouteillages monstres de Bagdad et les marchés où l'on se presse pour marchander au mieux l'achat de vivres ou d'ustensiles en tout genre. En ce moment, la lampe à huile est particulièrement prisée. Cette mère de famille a 8 enfants. Elle sait que dès le début des éventuels bombardements, l'électricité sera coupée. Les centrales électriques faisant partie des cibles prioritaires des Américains. Au moins, dit-elle, avec cette lampe, on aura de quoi s'éclairer un peu. Plus loin, ces hommes, plus fortunés, marchandent le prix d'un groupe électrogène. Ils expliquent que c'est de toute façon un bon investissement. Depuis les sanctions économiques imposées à l'Irak, les coupures d'électricité sont quotidiennes dans tout le pays. Selon les Nations Unies, l'absence totale d'électricité en cas de guerre aura de graves conséquences humanitaires. Si l'eau ne peut pas être purifiée comme elle l'est actuellement, l'eau qui sera distribuée dans les maisons sera impropre à la consommation, ce qui signifie que à court terme, et même à très court terme, des épidémies peuvent se développer. Ça peut mener à des conséquences dramatiques. Plus grave encore, en cas de guerre, plus aucune denrée alimentaire ne rentrera en Irak. Le pays devra compter sur cette production locale qui ne couvre que 40% des besoins de la population. Saddam Hussein le sait, en cas de guerre, l'Irak ne pourra plus évidemment exporter son pétrole. Le programme de l'ONU appelé pétrole contre nourriture sera immédiatement interrompu. Selon les statistiques des Nations Unies, ce sont 13 à 15 millions d'Irakiens qui se retrouveront à très court terme en situation humanitaire préoccupante. La capitale irakienne représente l'une des cibles essentielles en cas de conflit. Saddam Hussein y est protégé par sa garde personnelle, des miliciens qui n'ont rien à perdre. Comment donc pourrait se dérouler cette bataille de Bagdad? Pour les observateurs militaires, il est souvent plus facile de défendre une ville que de l'attaquer. Les explications de Martine Laroche-Houbert. Des soldats à l'allure nonchalante postés derrière des sacs de sable, la protection de Bagdad paraît dérisoire, mais il ne faut peut-être pas s'y fier. S'il y a des combats de rue, ils profitent généralement à la défense et aux troupes les moins entraînées. Quelques soldats irakiens bien placés sont en mesure de bloquer avenues et ruelles. Leurs bravades, pour une fois, peuvent être prises au sérieux. Nous sommes tous prêts à défendre notre président Saddam Hussein. Quoi qu'il en soit, la première opération la moins risquée pour les Américains et les Britanniques sera, semble-t-il, de bombarder les centres stratégiques, palais présidentiels, centres de commandement, télécommunications. Si ça ne suffit pas, les troupes d'élite devraient descendre au sol. Ce ne seront pas ces policiers et ces pompiers à la parade, leurs véritables adversaires, mais des hommes que nous ne voyons jamais. Soldats de la garde républicaine et de la garde républicaine spéciale, des fidèles de Saddam Hussein, la bataille pourrait être sanglante. C'est une opération délicate parce que la population serait prise en otage par les forces irakienne et que les Américains auraient à choisir entre risquer des dégâts collatéraux importants ou eux-mêmes risquer des pertes sérieuses pour leurs propres troupes. Des dangers qui n'échappent pas aux stratèges américains. Ces soldats s'entraînent dans cette ville dévastée pendant la guerre du Golfe. Les Abagdad, ce ne sont pas des fantômes qu'ils combattront.
Au Koweït sont basés près de la moitié des renforts militaires déployés dans le Golfe. Ils ont emprunté la fameuse route du Nord qui leur permettra d'entrer en Irak en cas de conflit. C'est cette route 80 qu'ont suivi nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Sylvain Giaume. Un convoi américain toutes les 10 minutes. C'est un défilé incessant vers la frontière irakienne par cette route numéro 80, baptisée pour la circonstance l'autoroute de la guerre. Les camions transportant les chars Abrams ne se cachent même plus pour traverser la ville de Koweït. Il y a 3 mois, il y avait ici 16 000 soldats américains. Ils seraient à présent 115 000. Quand ils traversent la dernière oasis, El Jara, avant le grand désert, les habitants sentent que la guerre est proche. Nous sommes arabes et musulmans et nous n'aimons pas la guerre, car cela fait des victimes, mais c'est l'Irak qui a attaqué le Koweït, alors que c'est un bon pays. C'est au kilomètre 90 que stationne le régiment royal irlandais en tenue de camouflage. Les hommes du général Jackson sont plus à l'aise dans la tempête que sous le soleil. On se cache mieux pour attaquer. Même discours à côté à la 82e division aéroportée américaine. C'est la nuit qu'ils seront les rois. Ils voient là où les Irakiens sont aveugles. On fait notre meilleur travail de nuit, en sautant de nuit. L'ennemi ne peut pas nous voir car il n'a pas le système de vision nocturne que nous avons. Et il ne peut même pas voir les avions qui volent très bas. La route 80 se termine par ces postes tenus par quelques-uns des 1300 soldats koweïtiens qui surveillent les 200 km de frontière avec l'Irak et laisseront passer sans entrave les forces américaines et britanniques. C'est par ce seul axe de la route 80 que les Américains comptent entrer en Irak, en évitant soigneusement de passer plus à l'est, afin de ne pas provoquer le voisin iranien qui voit d'un mauvais œil cette intervention américaine en Irak. En Espagne, 5 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec l'attentat de Djerba ont été arrêtées à Valence. C'est à la suite d'une commission rogatoire française que ces interpellations ont eu lieu. En France, où 3 hommes déjà ont été mis en examen, dont le frère du kamikaze. À Gaza, l'un des dirigeants de la branche armée du Hamas a été tué par l'armée israélienne lors d'un raid d'hélicoptère ainsi que ses 3 gardes du corps. C'est un missile qui a touché la voiture à bord de laquelle se trouvait ce haut responsable. Des dizaines de milliers de personnes en colère participaient cet après-midi aux funérailles d'un des fondateurs donc, du Hamas et chef de service de sécurité. Le Hamas qui menace directement ce soir les dirigeants politiques et les ministres israéliens. La morosité, la résignation des professionnels du tourisme, l'hypothèse d'une intervention armée en Irak rejaillit très fortement sur le moral des voyagistes. Du coup, les destinations jugées à risque affichent des rabais spectaculaires, comme le montre ce reportage au Salon mondial du tourisme de Nabila Tabouri et José Boulestex. Le soleil, la mer, le sable chaud, si je veux, comme dit la pub, mais pas n'importe où. Victime collatérale d'un possible conflit en Irak, les pays du Maghreb et surtout l'Égypte et la Turquie. Au salon du tourisme, leurs stands ne font pas recette. Les Français préfèrent d'autres destinations. Vu tout ce qu'on entend en ce moment, la guerre, tout ça, ça fait un petit peu peur. Donc, on est plus rassurés de rester sur place. En France, oui. En France. Les destinations lointaines telles que les Caraïbes, Saint-Domingue, même les États-Unis sont de nouveau dans la tendance actuelle de cette année. Envers les pays qui bénéficient du report des touristes, l'Europe centrale ou la Grèce, plus 20% par rapport à septembre 2001. En rouge, ceux qui ont perdu des parts de marché. Pour l'Égypte, c'est 15% de moins. Résultat, on brade les prix. Il y a des gens qui, au jour d'aujourd'hui, vont vous dire « Non, moi je ne pars pas en Turquie parce que j'ai peur. » Et on va avoir une promotion dans un mois qui va être un prix ras des pâquerettes. Et alors là, ils n'auront plus peur. C'est pas la peur, elle est différente selon le tarif. Du coup, ce sont d'autres destinations plus exotiques qui récupèrent des parts de marché. Malte vote son éventuelle adhésion à l'Union européenne. Un référendum consultatif est organisé aujourd'hui. 300 000 électeurs étaient appelés à se prononcer. On ne connaîtra les résultats que demain dans la matinée. Les derniers sondages donnent le oui légèrement gagnant avec 52% des intentions de vote. L'occasion de nous intéresser à ce pays installé au cœur de la Méditerranée. Malte réputé pour son climat agréable, mais aussi pour ses pavillons de complaisance qui flottent ou plutôt flottaient sur tous les océans. Malte qui a décidé de se débarrasser de cette mauvaise image de marque depuis la catastrophe de l'Erika. Reportage Jean-Paul Chapelle, Bernie Mériot.
Au cœur de la Méditerranée, l'escale idéale du transport maritime, y compris pour les pétroliers. Pourtant, la quasi-totalité des 1500 navires marchands inscrits à Malte ne viendront jamais ici. Leurs propriétaires ont juste choisi cette île de 400 000 habitants pour y faire résider leur société écran. Et pour cela, il suffit d'avoir un avocat basé ici. Depuis 10 ans, Malte a décidé de devenir un centre financier. Et on peut dire que jusqu'à présent, le pays réussit plutôt bien dans les affaires. Pour les transporteurs, la fiscalité est particulièrement avantageuse. Un forfait qui dépend du tonnage, quel que soit le profit réalisé. Ici, sont répertoriés tous les navires maltais, y compris ceux qui se sont échoués, comme l'Erika en 1999. Les détails techniques, les références du propriétaire y sont consignés avec toujours autant de soin. Mais depuis la catastrophe, le pays a fait des efforts pour se mettre aux normes de sécurité européennes. Chaque année, un bateau sur trois est contrôlé physiquement par un de ses inspecteurs. Objectif, ne plus figurer sur la liste noire des pavillons de complaisance. Bien sûr, nous voulons sortir de cette liste noire qui, selon nous, tient trop compte du passé et pas assez de nos efforts présents. Aujourd'hui, la proportion de navires maltais en situation irrégulière est deux fois supérieure à la moyenne européenne, mais le gouvernement promet de se mettre au niveau. Pour Bruxelles, il sera plus facile de contrôler la sécurité si Malte est dans l'Union européenne et pas en dehors. Depuis que l'Europe de Schengen n'a plus de frontières, la coopération entre les différentes polices s'est développée. Voici l'exemple de cette opération de sécurité routière conjointe de part et d'autre de la frontière. Gendarmes français et policiers allemands patrouillent pour une meilleure efficacité. Diego Garcia, Frédéric Faure. Nous sommes en Allemagne. Le conducteur de cette voiture française est en infraction et il n'en revient pas. C'est un gendarme français qui l'interpelle. Le fait de circuler avec un chargement qui déborde, surtout sur les côtés, il n'y a pas de tolérance à ce niveau-là. C'est une interdiction autant sur le territoire français qu'en Allemagne. Le rôle du gendarme s'arrête là. La contravention est dressée par un policier allemand. Nous sommes sur une opération de sécurité routière des deux côtés de la frontière. Cette coopération transfrontalière ne fait pas plaisir à tout le monde. C'est bien oui et non, quoi. C'est-à-dire ? Pour moi, c'est pas trop bien. Ça fait payer une amende. L'Europe sans frontières, c'est aussi ça. Police, gendarmerie et douane des deux pays travaillent ensemble pour plus d'efficacité dans le domaine de la sécurité routière, comme dans celui de la délinquance. Ainsi, ce travail en équipe permet à ce gendarme français de découvrir les moyens allemands, comme cette voiture banalisée, 230 chevaux. Équipée de caméras à l'avant comme à l'arrière, la police allemande utilise ce type de véhicule depuis plus de 10 ans. Au même moment, en France, autre moyen pour cette opération de contrôle de la gendarmerie. La patrouille commune fonctionne des deux côtés de la frontière et ce sont aussi des policiers allemands qui cueillent ce conducteur contrôlé à 147 km/h. C'est l'Europe. Me faire contrôler par une patrouille franco-allemande, ça ne me pose pas de problème. Je suis satisfait de cette coopération, mais il faudra aller plus loin, par exemple pouvoir poursuivre les opérations de sécurité routière ou autres au-delà de la frontière, ce qui n'est pas encore le cas. De fait, aujourd'hui, cette coopération transfrontalière se limite principalement à un échange d'informations. Voir un policier allemand verbalisé en France, ce n'est pas pour demain. Quelques jours après l'annonce des chiffres de la délinquance, manifestation aujourd'hui dans les Vosges, à Larmont, des commerçants et des villageois victimes de cambriolages à répétition. Ils dénoncent une délinquance urbaine qui touche de plus en plus les zones rurales. Christine Beauce et Sylvain Gauthier. Cambriolé à 3 reprises, le restaurant du village est à vendre, tout comme la station service boulangerie qui a été cambriolée 6 fois en 2 ans. L'autre épicier n'a été visitée que 3 fois, mais le ras-le-bol est général. On manifeste pour le ras-le-bol des cambriolages, les vols de voitures et tout ce qui s'en suit. Voilà. Merci. En fait, on s'est fait voler une voiture, la voiture de touriste. Alors, c'est très gênant le matin de dire à ces touristes on vous a volé votre voiture. Et cette voiture a été retrouvée dans une banlieue de Strasbourg. À 1 heure de Strasbourg, la paisible vallée de la Plaine, 8 communes, 2000 habitants, a perdu sa tranquillité. L'annonce d'une baisse des chiffres de la délinquance vient se télescoper à une autre réalité. Qu'on vienne pas nous raconter des conneries, franchement,
7% de diminution dans les villages, c'est pas possible, c'est impossible. Nous, on est en augmentation plus de 100%, je le dirais franchement. Là, on en a ras le bol. Excédés, les habitants de cette vallée vosgienne, aujourd'hui contaminés par une délinquance urbaine, ont distribué des tracts pour sensibiliser la population et dénoncer la faiblesse des moyens de gendarmerie. La gendarmerie est assez loin, le canton est grand et il y a des permanences qui sont assez éloignées. Il faut compter à peu près une heure pour la gendarmerie pour arriver ici depuis Moussès, ils sont déjà en intervention un peu plus loin. En dénonçant aujourd'hui l'insécurité, les villageois ont en réalité manifesté pour la survie de leur village, car si les commerçants excédés mettent la clé sous la porte, le déclin n'est pas loin. Dans les Deux-Sèvres, à Bressuire, défilé ce matin de près d'un millier de personnes qui protestent contre les licenciements dans la région. Une journée ville morte en solidarité avec les salariés de plusieurs entreprises frappées ces derniers mois par les plans sociaux. La liquidation judiciaire de l'entreprise de messagerie Grimaud Logistique met au chômage 200 personnes rien que dans cette région. Après 6 mois d'abstinence, l'ouverture de la pêche à la truite pour le plus grand plaisir des 1,5 million de passionnés en France. La saison s'annonce radieuse. Reportage en Ariège, Muriel Lassaga, Olivier Combe. Aujourd'hui, de 7 à 77 ans, chacun cherchait sa truite. Car cette fois-ci, ça y est, la pêche est ouverte. J'en ai eu deux petites, deux trop petites. Sinon, pas trop. Mais la passion est déjà là. Comme pour ses quatre compères, pêcheurs depuis toujours, mais surtout le jour de l'ouverture. Tradition oblige, une demi-heure avant le lever du soleil. Aujourd'hui, c'est la bonne pêche? Eh bien, je sais pas, j'espère. Je sais pas. On va voir, on vous dira ça tout à l'heure. Dans les eaux froides de ce torrent, ces hommes tractent un poisson encore sauvage, la truite Fario, rusée, pas suffisamment pour les bons pêcheurs. Trop petite. La taille légale est 20 cm, donc celle-là elle doit faire 13 ou 14, donc on rejette. La taille légale 20 cm ici, parce que ça change en fait. Ça change en fonction des départements et souvent des cours d'eau. La pêche avec un appât vivant, c'est la pêche au toc. Tout un art que Bernard pratique seulement pour le plaisir, mais avec succès. Là encore, la truite aura une deuxième chance, pourtant celle-ci avait la taille idéale. Il faut qu'on rejette le poisson pour que le poisson devienne de plus en plus gros et qu'on puisse faire des belles prises et puis que cette passion-là perdure. Pour tout dire, la saison s'annonce bien, même si l'adversaire est de taille. Sale temps pour le 15 de France. L'Irlande s'est imposée 15-12 dans le troisième match du tournoi des Six Nations. Les Français ne peuvent plus désormais espérer remporter le tournoi. Il y a des jours comme ça. Christophe Duchéran, Frédéric Basile. Bizarrement, le rugby en Irlande ressemble au tiercé de chez nous. On a le droit de parier jusqu'à la dernière minute. Et c'est ainsi qu'à l'intérieur même du stade, dans la course du jour, les parieurs donnaient à l'Irlande favorite, alors que nous pensions que la France ne faisait pas un mauvais cheval. Sur le terrain, pas le temps de souffler, les Irlandais sont partis billes en tête et vent dans le dos. Une minute de jeu, Murphy envoie un drop entre les poteaux, 3-0. En première période, poussé par le public et par le vent, le demi d'ouverture Humphreys vise juste à 3 reprises. Une machine a marqué des points, ce Humphreys, c'est l'artilleur en chef des hommes en vert. Le problème, c'est que pendant qu'il engrange, les Français gaspillent. Normalement, l'occasion doit faire le larron. Mais trop souvent, les Français sont marrons. Un drop par-ci, une occasion d'essai par-là, une seule pénalité en 40 minutes, 12-3 au repos. Pendant la mi-temps, les 47 000 spectateurs entonnent un petit karaoké des familles, histoire de se réchauffer les cordes vocales. Et on repart pour la deuxième période, où là, avec le vent dans le nez, ce sont les Irlandais qui commencent par déchanter. Jeunesse marque 2 fois sur pénalité, 12-9. Les Verts ne sont pas encore à l'envers, alors on attend les Français dans la dernière ligne droite. La pression, il faut marquer là. Il est remonté Jacques Brunel, l'entraîneur adjoint du 15 de France. Mais la pression, elle coulera ce soir dans les pubs de Dublin. Car malgré leurs efforts, les Français s'inclinent finalement 15-12. Un match perdu qu'ils auraient pu gagner, une partition inachevée. Tout ce qui est discipline, on donne trop de points et trop facilement. Et Humphreys en a profité pour mettre son équipe à l'abri, parce que c'est aussi simple que ça. Et donc effectivement, quand en plus on a 2 ou 3 occasions d'essai et qu'on ne les met pas au fond, bien on perd un match comme aujourd'hui. Très certainement une belle après-midi de rugby pour les Irlandais victorieux, mais un petit regret quand même. Car un match sans essai, c'est un orchestre sans tambour ni trompette, c'est un peu triste. Et en football, Auxerre, après 3 défaites consécutives, n'a pu qu'obtenir le match nul à Rennes, 0-0, lors de la 30e journée de championnat de Ligue 1.
Les collections du prêt-à-porter 2003-2004 avec sur le podium aujourd'hui le défilé de Jean-Paul Gaultier qui n'a pas hésité à multiplier les clins d'œil de la barboteuse à l'armée des baigneurs, l'enfance en vedette. Sophie Jouve, David Fossard. À quoi rêve Jean-Paul Gaultier, le chouchou de la mode française en ces temps mouvementés? Eh bien, à l'enfance. Lolita et Babydoll resurgissent des années 50 avec Côte Claudine et Manche Ballon. Une allure mutine censée convenir à la femme d'aujourd'hui. C'est pour arriver à avoir des nouveaux volumes tout en ayant une légère réminiscence de, pas du classique, mais un classique enfant. Depuis plusieurs saisons, Gaultier est passé maître dans l'art de réactualiser les classiques en appliquant la même exigence au prêt-à-porter qu'à la haute couture. Ensemble en tweed ou en lainage. Robe asymétrique, courte devant, longue derrière, façon Alice au pays des merveilles. Confort d'un pull en vison tricoté. Coupe, invention, génie de la structure. En douceur, Jean-Paul Gaultier prend la place laissée libre par Yves Saint-Laurent. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Rioué. 20h55, on a tout essayé, présenté par Laurent Ruquier. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Laurent Voulzy. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Et on se quitte avec ces images du retour triomphal du défi suisse à Lindy. Les skippers vainqueurs de la Coupe de l'Amérique ont été accueillis dans leur pays en véritables héros.